Eh bien, bonjour les amis, et bien sûr, on s'est trompé de truc, mais c'est pas grave. Comment allez-vous? Est-ce que tout va bien pour vous? Attendez, je vais mettre un petit peu de lumière, parce que là, si je vous montre mon côté sombre, ça n'ira pas du tout. Comment ça va? Moi, ça rien, c'est entre midi et deux, vous savez, et entre midi et deux, c'est plutôt informel. J'espère que tout va bien pour vous, en tout cas, bienvenue. On se retrouve sur du Animal Crossing, on est au 30e jour et on va découvrir le musée. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous, que vous êtes fond patate. Et puis je vais me mettre le chat sur le côté, on va se mettre en plein écran et puis on va regarder un petit peu cette découverte, on va regarder un petit peu ce musée. Je me replace tranquillement, c'est toujours un peu speed entre midi et deux, hein, bien sûr. Mais bon, on va y arriver, on a bien travaillé en tout cas aujourd'hui, donc... On a déjà commencé par bien travailler, ouais. C'est déjà plutôt pas mal. Je vais dire mettre le chat comme ça, je vais dire bonjour à tout le monde, on va regarder le retour, si tout se passe bien, bim, comme ça. Hop là. Je vais vous mettre les commandes aussi. Et on est parti. Et salut mon master, comment tu vas? T'es en forme? Et hop. Ya 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 Thunderba. Ah ouais, j'ai lancé un petit peu trop vite, j'ai lancé un petit peu à l'arrache, en fait, pour tout vous dire. Ça arrive même au meilleur, je suppose. Donc on est bien, on est comme ça. Salut Toka, comment tu vas, Ludson? Bonsoir mon Ludson. Et fans de Subnautica, bonsoir à tous en tout cas les amis, et bonjour pour les autres. J'espère que vous allez bien, et coucou mon petit doigt, mais quand je lance un live comme ça, je me reprends le boomerang. Comment allez-vous? Ah, ça a été un atelier, ça a été un atelier arrosage automatique ce matin, et du coup j'ai pas perdu l'habitude les gars. ça a été épique encore, j'ai tiré des arroseurs à tour de bras, donc du coup ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, c'était plutôt plaisant. Animal Crossing, tu commences à t'ennuyer dessus? Ah bah oui, je peux comprendre, donc Toka, je peux comprendre qu'on puisse aussi un petit peu s'ennuyer dessus. Attendez, on a un ballon, je vais vous montrer ce que j'ai fait, un petit peu, et puis on va aller voir 105 heures de jeu, d'accord, bah écoute, c'est pas mal, je pense qu'on est un tout petit peu plus que ça, nous, mais bon, ça va, c'est propre, 105 heures de jeu, c'est plutôt sympa, je trouve. Ça peut le faire. Allez, on va ramasser le cadeau qu'il y a là. On va regarder ce que c'est, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait un tout petit peu hier. Et on va aller du coup voir le musée. Et on a appris aussi ce matin que demain, donc il faut vendre le maximum de trucs parce que demain, la boutique est fermée. Voilà, pour quelques jours. Alors, pousse de bambou, ok. Ça, c'est bon. Et salut Sonia, comment tu vas? Alors, je viens de faire... 2 400 000 clochettes. Oh merde, Crudy, bravo à toi. GG, le son. Est-ce que j'ai vu tout le monde? J'ai dit bonjour à Master, bonjour à Lutson, à Lunson, bonjour à Toka, bonjour à mon petit doigt, bonjour à Sonia. Je crois que j'ai oublié personne. Allez, on est parti. On va prendre l'appel. Ouais, je suis passé par là. Me demandez pas pourquoi, ça m'arrive. Je vais vous montrer ce qu'on a fait hier. Enfin, ce que j'ai fait hier à temps perdu. Ça va? Ouais, tant mieux. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait hier à temps perdu. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Par contre, on n'a pas regardé ça. D'accord, il faut parler un petit peu à tout le monde. Il faut planter des fleurs, c'est ça? Planter des bulbes de jacinthe. Ah, voilà, c'était ce que tu me disais, du coup. Qui est-ce qui me disait ça? C'était Melio, hier, peut-être, qui me demandait ça. Donc, on va voir les bulbes de jacinthe. Il faut les acheter par paquet. Bulbes de jacinthe, si tu les as pas, à mon avis, c'est compliqué. Il faut parler à du monde. Il faut vendre des coquillages. Il faut attraper des insectes. On a tout ça à faire. Et on a... une heure, tum. Donc il faut y aller avec les navets, c'est vrai, waouh, trop fort. Ce matin, les miens, alors je les ai achetés 104, et ce matin quand j'ai regardé, il les a achetés 95, donc ça m'a énervé. Mais bon, là aujourd'hui, on va attendre midi, et puis on ira regarder. Tiens, Porcelette, merci de m'avoir acheté des navets si souvent, voilà, des pousses de bambou qu'on trouve pas chez nous, d'accord. Des pousses de bambou avec des cailloux. Allez, c'est bon. On prend ça.
on prend ça, on va regarder, bim. Et n'oubliez pas, demain je viens chez vous, je viens visiter chez vous. D'accord, elle m'a donné juste des pousses de bambou avec des cailloux, ça va, bon bah écoute. Allez, je vais vous montrer. On va commencer par descendre là, on va comme il faut, on va prendre, yop, on va prendre le filet tranquille. Hein. Demain quelle heure? À partir de 18h Toka. À partir de 18h demain, je vais aller chez vous et vous m'ouvrez vos portes et puis je viens regarder un petit peu ce que c'est. Alors, on a planté un petit peu, on s'est amusé un petit peu et on a fait quelques trucs. Alors, première maison. Donc la première maison, écoutez, j'ai fait un petit truc comme ça là, avec un petit plan d'eau qu'il y a ici. Là, on a planté, je crois que c'est des buis ou un truc dans ce goût-là. Et coucou Lyon, comment tu vas? Bienvenue. Attends. On va prendre le filet. Donc celle-ci j'avais envie de faire un petit peu comme ça. On y a mis un Uno juste là. Ou un jeu de cheval, comme vous voulez. J'avais envie de voir que c'est... Alors le bambou, plante-le vers le sud de l'île. Il paraît que ça pousse mieux. D'accord. Ok, ok fan. Et ben on regardera ça. J'ai mis un petit panier pour chien. Et puis ben, j'ai mis le petit truc et puis le petit jus surtout parce que on peut se faire un petit peu des petits jus comme ça. On a des petites clochettes qui sont là, elles ont enfin poussé. La deuxième maison, on l'a faite comme ceci. Je trouvais ça très joli, donc j'ai fait comme ça avec une petite table en fer. La table en fer prend beaucoup de place. Attendez, on va aller dire bonjour à copine là. Salut copine. Puis on va aller prendre les clochettes aussi. Alors coucou yes. Et si on discutait? Allez. Je suis sûr que cette journée a encore plein de belles choses à nous offrir. Mais moi aussi, je suis sûr. Donc là, il me semble que vous aviez vu hein, ce qu'on avait installé ici au niveau du, au niveau de chez nos amis confectionneurs de vêtements. Bah, du coup, voilà. Ah, j'avais planté que 10 000. Je devais être à court de munitions, les gars. Donc j'avais planté que 10 000, mais c'est pas grave. On en a planté d'autres, hein. Entre temps on en a planté bien d'autres, donc c'est pas très très grave. Et la dernière maison, donc on a planté des roses, rouges, blanches et jaunes sur le côté, on a planté quand même des lys aussi. Ici je crois que c'est des azalées que j'ai mis ou je sais plus quoi. Il me semble que c'est ça. On a gardé le fruitier juste au-dessus et puis j'ai mis de quoi faire flamber le fruitier bien sûr parce que c'est tout à côté donc du coup... Coucou mon lion, je t'ai dit coucou, excuse-moi mon bébé. Ouais, bah, je devais avoir que ça sur moi, Toka, et c'est mieux que rien, en tout cas. C'était parce que peut-être j'avais que ça sur moi à ce moment-là. Donc, on a fait comme ça. Mais donc là, j'ai planté directement pour que ce soit que ça pousse directos, en fait. Mais du coup, attends, on va récupérer les coquillages et crustacés sur la plage abandonnée. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous plaît, mais... Non, attends. Hé, papillon. Non, ah, viens là. Non, il est parti. Petit papillon, toi qui as des ailes, ah tu peux pas voler. Non, je veux pas. Mercredi. Mais non, mais t'es sérieux? Ah, il me troll le papillon, les gars. J'y arrive pas. Il est ouf. Il est parti. Merci pour l'hébergement. Je sais toujours pas comment on fait un hébergement à partir de mon téléphone en fait. J'héberge des chaînes en automatique en fait, mais comme ça quand on regarde, je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Et coucou mon chaton féroce, comment tu vas? T'es en forme? Merci les gars, merci à tous. Et bien bonjour à tous, j'ai bien fait d'envoyer un petit peu de ça ce matin pour vous faire plaisir. Donc je vous ai fait, alors je vous ai montré ce côté là, je me souviens plus si je vous avais montré de celui là aussi de côté. Ah. Non c'est bon, c'est juste là, fais voir un peu. Attendez, je relance le retour parce que j'ai pas le retour du coup. Donc ça s'est coupé un peu. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà, c'est bon. Je crois que je vous ai récupéré. Le live est mort? Non. Pas de là. Pas de moi en tout cas. J'avoue, j'ai du mal à voir le retour. Mais je comprends pas pourquoi d'ailleurs du reste.
Ça a bugué, j'ai relancé. Moi aussi, j'ai essayé de relancer, mais ça a du mal. Effectivement, attendez, je vais essayer de voir le retour de mon côté. Parce qu'effectivement, j'ai pas le retour là. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Attendez, je vais essayer de relancer ça. Pourtant, OBS, il transmet. Je vais arrêter OBS et puis je vais vous le relancer de suite, les gars.